La 831e foire Saint-Denis avait envahi les rues du centre-ville de Dreux le premier week-end d'octobre. Impossible d'échapper à ce grand rendez-vous à la fois commercial et festif. De l'esplanade du champ de foire jusqu'à la place des Fusillés en passant par le cœur de ville, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Les commerçants investissaient les principales artères commerçantes de la ville, alors que musiciens et troupes folkloriques assuraient l'ambiance et l'animation. Cette foire, inaugurée par Gérard Hamel, député maire de Dreux, prenait résolument des allures de fête. La place des Fusillés était joyeuse et le public dansait au rythme des musiques traditionnelles de l'association portugaise Flores do Ribatejo. C'était aussi le grand déballage, place du musée où un grand nombre d'exposants faisaient le bonheur des amateurs de vide-grenier. Mérine assurait le rayonnement de la place du marché couvert, tandis que du côté de la place Mézirard, on entendait les cris de joie des enfants qui s'amusaient sur les structures gonflables, accrobranches et murs d'escalade. Le salon de l'automobile au parc des expositions restait l'une des animations très prisées où tous les concessionnaires de l'agglomération présentaient les derniers modèles de leur gamme. L'ensemble des vendeurs présents étaient très satisfaits des contacts pris avec les amoureux de l'automobile. Parmi les autres piliers de la foire, la fête foraine a également attiré la foule de tous les âges et les attractions à forte sensation ont, comme à l'accoutumée, connu un joli succès. Des animations dans toutes les rues, des bonnes affaires, des sensations fortes, de la bonne humeur et la grande foule, la Saint-Denis est décidément très populaire.